Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. D'abord, les titres. Kinshasa n'attend pas des solutions miracles de la part des Nations Unies. Voilà la réponse des autorités congolaises après le passage et les déclarations du membre du Conseil de sécurité de l'ONU en RDC. C'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui l'a dit lundi lors du briefing presse. La Commission électorale nationale indépendante affirme et confirme que le processus électoral avance de la meilleure manière. Plus de 34 millions de Congolais sont déjà enrôlés sur toute l'étendue du pays, a signifié ce mardi le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara. À l'occasion, il a coupé court à toutes les accusations contre l'équipe de la centrale électorale. Le nouveau bourgmestre nommé par le chef de l'État Félix Tshisekedi totalise bientôt 100 jours depuis leur prise de fonction. Que retenir de ces 100 premiers jours? La commune de Kinshasa donne son son des cloches. On en parle dans cette édition d'information avec Christophe Massala, proche collaborateur du bourgmestre de la commune de Kinshasa. Il est l'invité du journal. Bonsoir. N'attendez pas que les Nations Unies règlent des choses de manière magique et de manière instantanée à la place des autorités congolaises. C'est l'une des phrases qui a marqué le passage des membres du Conseil de sécurité en RDC. Cette déclaration ne passe pas chez les autorités congolaises. Devant la presse, le VPM des Affaires étrangères a souligné que la RDC n'attend pas des solutions miracles de la part des Nations Unies pour résoudre le problème de Congolais. Il a dit lors du briefing presse co-animé avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyer. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. 24 heures après la fin de la visite en RDC des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya est revenu devant la presse avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères pour apporter des éclairages sur l'évolution du front diplomatique face à l'agression rwandaise contre la RDC. Réagissant aux propos de l'ambassadeur de France au Conseil de sécurité sur la responsabilité du gouvernement à résoudre les problèmes des Congolais, le VPM des Affaires étrangères a laissé entendre que Kinshasa ne compte sur aucun autre pays du monde pour mettre fin à la guerre dans sa partie est. Il est également extrêmement grave et inadmissible que on vienne en RDC et qu'on vous fasse ce diagnostic et par la suite vous faites le Ponce Pilate. Cela n'est pas possible. Si nous sommes avec les Nations Unies, c'est parce que nous sommes des hommes et des femmes, des Congolais corrects. En effet, les Nations Unies, vous pouvez lire la Charte des Nations Unies, chapitre 1er, article 1er, parmi les objets. Christophe Lutundula a saisi l'occasion pour rappeler que l'origine de la crise sécuritaire dans l'est du pays est partie de la demande des Nations Unies à la RDC d'accueillir les réfugiés rwandais. De son côté, le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement a persisté et signé la RDC attend des Nations Unies des sanctions contre Kigali et non de faire du boulot à la place des autorités congolaises. Que lorsqu'il y aura des condamnations des individus dont je me fais l'économie de citer les noms, devant les juridictions nationales et internationales, en ce moment-là, ce sera plus contraignant et on demandera au Rwanda de livrer tous les criminels qu'ils gardent là-bas. Et c'est aussi cette stratégie-là sur laquelle nous travaillons pour que justice soit faite et les Nations Unies y tiennent. Le président de la République l'a dit à Genève, il y a un besoin fort de justice pour garantir le retour et la stabilité à l'est de la RDC. S'agissant des discussions entre le Rwanda et la RDC, le vice-premier ministre des Affaires étrangères a renseigné que les relations diplomatiques n'existent plus entre les deux pays. Et à l'instar des troupes de l'EAC déjà à l'est de la République démocratique du Congo, depuis des mois, un contingent de militaires angolais est également attendu dans les prochains jours. Cependant, le mandat de ces troupes ne sera pas offensif et s'inscrit dans le cadre du mécanisme des vérifications ad hoc. Des précisions ont été apportées par le vice-premier ministre des Affaires étrangères lors du briefing presse. L'Angola, pour autant qu'il prend au sérieux, et c'est sérieux, le mandat qui lui a été confié a l'obligation de mettre en mouvement ce mécanisme qu'on lui a confié pour s'assurer que ce qui a été décidé est à tout le moins en train de s'exécuter.
Voilà pourquoi le président Lourenço, après en avoir référé au chef d'État concerné, il a informé le président Kagame, il a informé le président Tshisekedi, le président Ndayishimiye, le président Ruto. Je crois la présidente de la Tanzanie a aussi l'information. Tout le monde a été informé et l'Angola a dit, en vertu du mandat qui m'a été confié, voici ce que je fais, j'amène. Je crois que ça doit être au niveau d'un bataillon. Hein. Bon, je ne suis pas fort en matière militaire, avec tout l'équipement qu'il faut, pas pour aller attaquer, je ne vous mentirai pas en vous racontant des histoires, mais pour faire en sorte que ce qui a été décidé, notifié au 1-23, soit exécuté, notamment en vérifiant comment les choses se passent. Et je crois que l'Angola veillera à ce que le cantonnement se fasse et que ce cantonnement soit un cantonnement sécurisé. Toujours dans ce chapitre de l'agression rwandaise, la RDC ne peut que compter sur lui-même pour faire face à cette agression du Rwanda sous couvert du M23. Déclaration de Corneille Moulumba, un des pionniers de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pour lui, les Nations Unies ont prouvé leur incapacité en RDC il y a 20 ans, il l'a dit lors d'une interview accordée à Élisée Mafou et à Bonance Mazamba. C'est pendant 4 jours que la délégation des membres du Conseil de sécurité a séjourné en RDC dans le cadre d'une visite de travail pour évaluer la situation sécuritaire. De leur passage, beaucoup de déclarations ont été faites pour le retour de la paix à l'Est. Pour Corneille Moulumba, coordonnateur des pionniers de l'UDPS, l'RDC ne doit rien attendre des Nations Unies. Elle doit compter sur elle-même. Il propose aux dirigeants de renforcer l'effectif militaire dans la partie Est et de troquer des minerais stratégiques du pays contre des armes afin de faire face à l'agression rwandaise. Nous devons nous organiser pour nous défendre. La MONUSCO est ici depuis plus de 20 ans. La MONUSCO, c'est quoi? C'est les Nations Unies. Vous avez entendu il n'y a pas si longtemps le secrétaire général des Nations Unies qui dit que le M23 est mieux armé que la MONUSCO. Si un petit groupe rebelle peut être mieux armé que la MONUSCO, c'est un aveu. Donc je pense qu'il n'y a rien à attendre de la MONUSCO. La RDC est un pays qui a tous les atouts pour faire face à cette situation, qui est une petite situation. Encore faut-il que les dirigeants congolais aient le courage politique, ou aient le courage tout court de s'assumer, et puisqu'ils sont là pour défendre les intérêts du peuple congolais, de prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir les défendre. C'est d'abord, comme je dis, déployer là-bas les troupes. Il faut un gouvernement de guerre où effectivement on peut avoir un général comme premier ministre, avoir ministre de la Défense un général, avoir ministre de l'Intérieur un général, même aux affaires étrangères un général. Dans ce pays, nous avons les minéraux les plus recherchés du monde. Cobalt, coltan, lithium, tout ce que vous voulez. Est-ce que réellement on est dans l'impossibilité de troquer des minéraux de certains gisements contre l'armement nécessaire? Pour ces pionniers de l'UDPS, le gouvernement congolais a commis une grave erreur de recourir aux troupes de l'EAC pour combattre aux côtés des FARDC. Je pense que la RDC, nos dirigeants ont commis une faute politique en faisant entrer notre pays dans l'EAC. Ça c'est un. Et d'autant plus qu'il n'y a pas eu débat au Parlement. Deux, de faire entrer les troupes de l'EAC sur notre territoire. C'est une faute grave, très grave même. Pourquoi? Parce que la majorité des pays de l'EAC nous ont fait la guerre. Pas ils nous ont fait, ils nous font la guerre. Comment est-ce qu'on peut faire entrer notre pays dans une organisation composée de nos ennemis? Ça n'a aucun sens. Il faut rappeler que lors d'un point de presse tenu à Goma le dimanche dernier, Nicolas de Rivière, ambassadeur de France au Conseil de sécurité de l'ONU, a fait savoir que les Nations Unies soutiennent la voie diplomatique et politique pour sortir de cette crise. Il a rappelé que la MONUSCO n'amende que la protection des civils et non l'offensive contre l'ennemi de la République démocratique du Congo. Et face à l'insécurité qui prévaut à l'Est, les Émirats arabes unis, partenaires de la République démocratique du Congo, sont allés à la rescousse des populations déplacées suite aux affres de guerre avec le concours du gouvernement émirati. La présidence de la République a cheminé un premier lot de 800 tonnes de vivres et non-vivres en faveur des sinistrés de l'insécurité causée par les rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Images et commentaires.
La République démocratique du Congo entretient le partenariat mutuellement avantageux avec différentes organisations internationales et différents pays à travers le monde sous la houlette du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans les malheurs que l'on reconnaît ses vrais amis, dit-on. Des partenaires de la RDC volent au secours des populations déplacées de guerre à répétition dans l'est du territoire national. Avec le concours des Émirats Arabes Unis, la présidence de la République achemine des tonnes de vivres et non-vivres à Goma pour faire face à la famine des déplacés et la crise humanitaire créée par le Rwanda par l'entremise du groupe armé terroriste M23 dans le Nord Kivu. 800 tonnes de vivres et non-vivres constituent le premier lot de l'aide humanitaire réceptionnée dans les entrepôts à Goma, fruit du partenariat RDC Émirats Arabes Unis. Le président de la République, soucieux de la population, de la situation que sa population connaît ici à l'Est, nous a délégués pour venir livrer les vivres. On les a acheminés et puis on doit les distribuer aux populations déplacées de guerre qui sont ici à l'Est. Donc ils ont fait ça ensemble, le président de la République avec le président des Émirats Arabes Unis. Ensemble, ils ont décidé de donner ces vivres à la population déplacée qui se trouve ici à l'Est. Aussitôt entreposés des sacs de riz, de semoule, de l'huile, de sel et bien d'autres vivres et non-vivres prennent la direction des sites des déplacés à quelques encablures du centre-ville de Goma. À Lushagala, à environ 15 km de la ville, la joie était à son comble pour la population déplacée hébergée sur ces sites dans la misère. Nous sommes sur le premier aide qui vient de se manifester dans mon site de Lushagala, parmi les humanitaires, aucune intervention qu'on a déjà faite. Voilà que le gouvernement a songé pour le déplacer, que j'ai au sein de mon entité. Loin de toute aide humanitaire, les déplacés de la guerre, d'agression de la RDC par le Rwanda saluent vivement le geste spontané du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui les conforte en attendant d'éventuelles aides humanitaires annoncées par des partenaires de la RDC. Restons toujours dans la province du Nord Kivu où l'observatoire volcanique de Goma rassure la population malgré l'entrée en ébullition du volcan Nyamulagira dans la journée du lundi 15 mars. Dans son communiqué, l'OVJ affirme que la ville de Goma est épargnée de tout risque environnemental. Commentaire de Meshakou Abeno. Pas de panique pour l'instant et pas des conséquences environnementales pour la ville de Goma et sa population épargnée des touristes malgré l'entrée en ébullition du volcan de Nyamulagira, voisin de Nyiragongo, Nord Kivu. Telles sont les assurances de l'Observatoire volcanologique de Goma diffusées dans un communiqué de presse en six libellés. Les données actuelles de la sismicité indiquent un mouvement des magmas à des faibles profondeurs vers les cratères centrales du volcan. Et si l'activité actuelle au Nyamulagira conduit à une éruption au sommet du cratère, les larves prendraient la direction du parc national des Virunga. Raison pour laquelle l'OVG recommande aux pilotes des avions en survol dans cette zone de prendre en compte la direction du vent. Ainsi, les habitants de la ville volcanique sont appelés au calme et à vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. Cependant, l'OVG recommande strictement et minutieusement le lavage de légumes et la consommation d'eau des citernes. A noter que la dernière éruption du Nyamulagira, qui cumule à près de 3058 mètres d'altitude, remonte en 2011 avec une autre activité interne depuis 2014. Revenons à Kinshasa. Le Premier ministre a reçu lundi à la primature le bureau du collectif des députés provinciaux de la RDC. Cette représentation des 780 élus provinciaux du pays ont exhorté au chef du gouvernement leurs préoccupations relatives principalement aux arriérés des remoulements illico presto. La situation a été décantée par Jean-Michel Samaloukonde qui leur a rassuré de la paix des 2 mois dans le tout prochain jour. Suivez. Et nous sommes venus voir le Premier ministre pour lui parler des problèmes des assemblées provinciales qui demeurent, quand bien même il y a eu instruction du chef de l'État.
Le Premier ministre avait aussi fait son travail, il a instruit les ministres sectoriels. C'est comme ça que nous sommes venus voir le Premier ministre, qui n'a pas hésité d'appeler les ministres sectoriels, notamment à celui des budgets et des finances, pour qu'on en parle et qu'on en finisse avec cette histoire-là. Donc, nous avons rappelé les mois de décembre qui n'étaient pas payés, les mois de janvier et de février, et le Premier ministre nous a certifié, ça a été aussi confirmé par les ministres des Finances, que les mois de décembre et de janvier se trouveraient déjà à la banque. Il reste seulement, nous pensons, d'ici mercredi, le mois de décembre sera libéré. Et ça, d'après le ministre des Finances, les dés sont là, mais qui seront payés avec un léger écart de quelques heures, si pas de quelques jours. Ça dépendra de la trésorerie. Mais si la trésorerie est vraiment bien remplie, les deux mois seront payés le même jour. Sinon, on paie un aujourd'hui, l'autre suit un ou deux jours après. Et en dehors de cela, nous avons parlé des arriérés, nous avons parlé des litiges. Ce qui est litige, c'est quoi? C'est quand on paye quelques assemblées, les autres ne sont pas payées. Donc le Premier ministre a vraiment eu une oreille attentive. Il a dit vraiment cette fois ici. Et surtout que le chef de l'État lui-même en avait parlé lors d'un conseil des ministres, ils ont reconnu et ils ont dit vraiment cette fois-ci. Comme c'est aussi l'année électorale, il faudrait que les assemblées provinciales puissent aussi bien vivre, afin de bien préparer aussi l'élection, pourquoi pas de eux-mêmes, aussi du chef de l'État. Et nous sommes très satisfaits, nous sommes satisfaits, mais nous leur avons dit, la grande satisfaction sera quand nous allons toucher notre argent. Bien sûr, une satisfaction des paroles, une assurance de l'autorité, nous ne pouvons pas en douter. Mais nous leur avons aussi dit, nous serons très sûrs de vous quand nous allons toucher, nous sommes très sûrs que nous allons toucher. Processus électoral dans cette édition d'information, je l'ai dit dans le titre, plus de 34 millions de Congolais déjà enrôlés sur toute l'étendue du pays, sans compter ceux de l'étranger. De nouveaux chiffres publiés ce mardi par la CENI au travers son deuxième vice-président Didi Manara. Il a également saisi l'opportunité pour couper court aux allégations faisant état des mauvaises qualités de la carte d'électeur ou de l'amateurisme au sein de cet organe technique électorale. Il a rassuré du bon déroulement du processus pour une bonne organisation des élections. L'évolution du processus électoral était au centre de ces échanges entre les deuxièmes vice-présidents de la CENI et la presse. Didi Manara a affirmé que plus de 34 millions de Congolais sont déjà enrôlés à ce jour sur toute l'étendue du pays en perspective des prochaines élections. Sans compter les électeurs de l'étranger, nombre d'électeurs attendus, 49 382 550. Nombre d'enrôlés à ce jour, 34 445 251, soit 70%. L'occasion faisant les larrons, le membre du bureau de la centrale électorale a balayé d'un revers de la main les propos faisant état de l'amateurisme de l'actuelle équipe de la CENI. Des propos émis notamment par l'ancien président de la CENI, Corneille Nanga. Pour Didi Manara, Corneille Nanga n'a pas de leçon à donner. L'auteur de la menace peut-il être un modèle de gestion et donneur de leçons? Je m'en vais répondre. Au-delà de toutes les considérations relevées ci-dessus, l'auteur de la déclaration ne peut s'ériger en modèle de gestion ni en donneur de leçons. Parlant de sa gestion, et s'agissant particulièrement des infrastructures, il est à noter que l'auteur de la déclaration a laissé dans son passif deux points. Plusieurs arriérés des loyers des bâtiments abritant les installations de la CENI, tant à Kinshasa qu'à travers toutes les provinces, sans exclusion aucune. L'immeuble abritant le siège national de la CENI, l'immeuble du Soussou, dans un état de délabrement très avancé. J'en ai vous savez. Didi Manara a dans son passage indiqué que l'ancien président de la CENI a par ses déclarations manifesté son intention de nuire au déroulement du processus électoral. De demain.
Demain, mercredi 15 mars, les députés nationaux et sénateurs vont renouer avec leur siège au Parlement et à l'Assemblée nationale. L'ouverture de cette session ordinaire de mars 2023 intervient à l'heure des grands enjeux au pays, notamment avec le processus électoral et également la situation sécuritaire et économique inquiétante sur l'étendue du territoire national. Du côté de l'opinion publique, chaque personne en ces termes rappelle aux élus leur mission majeure pour l'intérêt du pays. Quelques Kinois ont été interrogés par Rabbi Lokati. Passement et grincement des dents au sein de la population congolaise à l'aube de la rentrée parlementaire de mars 2023. Selon l'opinion nationale, cette situation est consécutive à la non-satisfaction des attentes de cette population, tournée en bourrique par ces mêmes députés bénéficiaires des voix de cette même population, devenue leur marche-pied et qui ne le cache pas. Alors, tout ce qui est député, on a l'assemblée, on a le pouvoir de la population. Nous interpellons les députés à s'intéresser aux questions qui mettent en péril la quiétude des Congolais. Nous ne cesserons pas de vous interpeller au sujet de ce qui se passe à l'Est. Aux députés de faire amende honorable et de s'inspirer de l'esprit de feu Étienne Tshisekedi, transmis à la postérité à travers son slogan « Le peuple d'abord », une rengaine clamée haut et fort par tous, mais loin de toute application concrète dans le vécu quotidien de la population. Aux députés de rectifier le tir par devoir à leurs électeurs. Nous savons qu'ils étaient en vacances, ils doivent débattre sur les questions de l'insécurité à l'Est, également celles des transports en commun. Mais les députés réclament leurs émoluments. Les députés Essayez de rappeler que cette session de mars 2023 tournera autour de plusieurs points à débattre, dont certains fâchent et d'autres qui vont à l'encontre du combat mené par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'intérêt collectif des Congolais. Comme annoncé en début de cette édition d'information, mesdames, messieurs, nous recevons sur ce plateau Christophe Massala. Il est communicateur de l'IDPS. Avec lui, nous allons parler de la gestion de Maître Bienvenu Mbalibi à la tête de cette municipalité. Alors, Christophe Massala, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je vous remercie de m'avoir d'abord invité. Nous avons initié une campagne avec tous les bourgmestres de l'IDPS parce que vous vous souvenez, lors de ces nominations, il y a eu de tollés par-ci, par-là. Et nous avons commencé par la commune mère qui est la commune de Kinshasa. Alors, voilà. Quelques mois après déjà, à la tête de la commune de Kinshasa, parce que d'ici deux mois pratiquement, il va totaliser 100 jours à la tête de cette commune. Comment jugez-vous sa gestion à la tête de la commune de Kinshasa, après déjà être nommé par les chefs de l'État? Merci le journaliste. Nous, à état donné que population, au départ, nous sommes descendus sur terrain. Nous avons interroger les habitants de la commune de Kinshasa et nous avons mené nos enquêtes, mais aussi à son niveau. Nous avons scindé notre action sur des plans. Sur sa gestion, nous avons retenu des choses. Nous avons, sur le plan sécurité d'abord et aussi des salubrités. Nous allons d'abord par le plan de salubrité. Le bourgmestre, à son entrée de jeu, il a trouvé des immondices, des foules partout. Qui était le contre qu'on nous faisait croire à l'opinion par des médias qu'on a transformé cette commune, mais c'était contre. Il est allé, je m'en vais précisément sur le marché Kato, où vous allez sur le croisement de l'avenue Bokassa et Itaga. C'était en tout cas ce qui a causé même la tollée à la population et lui s'est descendu sur terrain. La première action, il a évacué ces immondices. Mais il ne s'est pas s'arrêter jusque-là. Il est descendu juste sur ce qu'on appelle marché pirate, type K, où il a fait le même exercice. Mais aussi,
précisément, si vous allez, on appelle boulevard central, il s'est descendu justement sur ce qu'on appelle les Zigida. Avant même que la ville intervienne, vous savez, pendant les moments où le pape François était là, le passage à Kinshasa, les immondices, même devant le bureau de l'administrateur du marché, et même la police. Pourtant, ce monsieur perçoit de l'argent à tout moment, mais le bourgmestre s'est impliqué plutôt. Alors, on va aller rapidement sur le plan de la sécurité. Bon, sur le plan de la sécurité, vous savez que d'abord, si on est autorité, on doit d'abord tenir le conseil en tant que bourgmestre, le conseil de sécurité communal, ce qui a été régulièrement. Deuxièmement, il a rencontré les chefs de confession religieuse, les notables, l'interpellation de ce qu'on appelle communément Kuluna, parce qu'il a trouvé ça, c'était un phénomène où on ne pouvait pas voir. La commune de Kinshasa a été réputée. Réputée vraiment, alors qu'on a initié des interpellations, mais maintenant, je peux vous garantir que cela a totalement baissé. Alors, je voulais rentrer dans ce que vous venez de parler tout à l'heure. La commune de Kinshasa était l'une des zones réputées sur en ce qui concerne l'insalubrité et l'insécurité. En dehors de se rendre sur terrain, il y a d'autres stratégies que le bourgmestre a mis en jeu justement pour mettre fin et puis éradiquer cette mauvaise réputation d'antan. Je vais vous garantir, parce que je me suis allé vite, il y a aussi ce qu'il a placé comme le tirage des caniveaux. Vous voyez, si vous allez précisément sur les Wangata, Kasavubu, Bokassa, Kabamba, ou les croisements qu'on appelle triangle, où il y avait des caniveaux bouchés. Mais maintenant, si vous allez, c'est tiré. Mais ce que nous disons, il a bien fait, il a tiré les caniveaux, mais pour la maintenance, pour que ça soit maintenu, c'est la ville. Parce que les routes sont délabrées et ça, c'est la compétence de la ville. Okay. Mais sur les stratégies que vous avez posé la question, je vais m'en venir vite. Le bourgmestre a initié ce qu'on appelle brigade, compte initier ce qu'on appelle brigade d'assainissement. Parce que vous savez, l'assainissement dont il est question ici, c'est question de mentalité. Alors, cette brigade aura comme mission d'abord sensibiliser et aussi réprimer. Mais c'est là où que nous pensons que la ville aussi doit tenir aussi compte de l'amener l'appui pour que cet objectif soit arrivé à la fin. Voilà, c'est ce que je peux vous dire en quelques mots. Alors, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, qui s'est inscrit bien évidemment dans la vision du chef de l'État de rendre cette ville propre, parce que je l'ai accompagné moi-même sur terrain quand il faisait une tournée dans le grand marché, dans le marché de cette municipalité. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que si nous arrivons sur terrain, on part, on fait la ronde des quelques marchés de cette commune, on va trouver ce marché plus propre? C'est la question. J'ai dit bien sûr, j'ai dit d'abord, le bourgmestre c'est d'abord un fruit de la maison. C'est le fils maison qui... Un fruit de l'UDPS. De l'UDPS, donc qui a reçu d'abord la vision chère Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Et donc pérennisé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, de sa casquette, le bourgmestre, c'était un lieutenant de l'IDPS, quelqu'un qui compte sur les changements. Alors, en rapport avec la question, est-ce que vous pensez que toutes ces actions menées aujourd'hui par le bourgmestre de la commune de Kinshasa est salué par la population? Oui, mais je dirais que nous allons vous laisser les images ici. Vous allez quand même suivre les images pour dire, et moi-même, quand je me suis descendu sur terrain, il a fait que des acclamations. La population ne cesse d'acclamer, de dire « voilà celui qu'on attendait ». Et moi, je peux vous garantir ici, il est le meilleur bourgmestre pendant ces 2 mois qu'on a exercé. Le meilleur, pas quel sondage. Le meilleur bourgmestre pendant ces 2 mois, au-delà de ses actions sur terrain. Avec des moyens de bord, je précise, des moyens de bord. Ils prennent la taxe. Des différents marchés. Bon, j'ai dit, moi, ce que je peux vous dire ici, j'ai dit, moi, je ne suis pas gestionnaire, mais j'ai dit, vous connaissez vous-même le fonctionnement d'une commune, mais j'ai dit, avec des moyens de bord, parce que,
comparé avec les autres communes, s'ils sont en mesure de réaliser ce qu'il est en train de réaliser. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a la volonté de bien faire. Mais moi et les autres, je dis, ce n'est pas moi-même l'opinion, voilà, estime que Bienvenue sur ces 2 mois est le meilleur bourgmestre. Si vous vous contestez, vous opposez avec notre bourgmestre que vous comptez mettre les actions sur table. Donc, sur ce qu'il va faire sur son 100 jours, la teneur est réservée par lui-même. Voilà. Parce que ce que j'ai dit sur ce plateau, cela engage que moi, en tant que communicateur de l'IDPS, et j'appuie ces actions, étant donné que membre de l'IDPS. C'est pourquoi j'ai dénoncé avec la fermeté l'hôtel de ville qui ne laisse pas les bourgmestres les mains libres. Mais avant de terminer, une petite question. Aujourd'hui, il y a des opinions qui pensent que Bienvenue a laissé une avenue où on était en train d'écurer. On m'a parlé hier de l'avenue Wakadingi. On me parle de ce matin, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Willery. Il y a beaucoup d'eau qui stagne. Est-ce que sur le plan d'écurage des caniveaux, l'opération qui a été lancée, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose prévu dans ces sens-là pour aussi arriver à rendre toute le route praticable? Je disais tout à l'heure ici, si vous passez à l'instant même où je vous parle, sur le croisement Willery, il y a des travaux qui sont en train d'être faits sur son initiative. Mais je m'en vais d'abord dénoncer, je vais vous dire, vous savez toujours, la main noire des personnes mal intentionnées, je dis bien identifiées, qui instrumentalisent les agents, qui arrivent même dans des sites, les agents qui partent dans des sites de transit, on est en train de brûler des immondices. Or, c'est défendu selon les normes environnementales. Et ça pour mettre à la tête du bourgmestre. Et le bourgmestre a estimé que dès lors qu'on a interdit, on doit mettre cette brigade en place. Il a disposé un site qu'on appelle site Mbomu, précisément croisement Mbomu et Plateau, qui va permettre à la population de bien garder des biodégradants chez lui et non dégradants. Et les agents, les services, par exemple, vont aller sur les sites de transit. C'est là que j'ai dit, je profite de votre micro pour dénoncer ces agents qui sont derrière pour instrumentaliser la population, d'ailleurs qui expriment par les images ici, que vous allez faire passer ici, pour parler en mal du bourgmestre. Par contre, le bourgmestre est le meilleur au stade où nous nous sommes. Voilà, là vous l'avez dit. Voilà. Alors, c'était Christophe Massala, il est communicateur de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Avec lui, on a parlé de toutes les actions menées jusqu'à là par le bourgmestre de la commune de Kinshasa. Ce n'est pas la première et la dernière fois, Christophe. On va quand même se séparer. Nous vous disons merci. Merci, monsieur le journaliste, mais je ne pouvais pas clore mon passage ici, ça pour autant dire aux Kinois et Kinois, mais aussi à toute la population, de rester toujours focus derrière le président de la République, qui a parvenu à faire une bonne sélection en nous donnant des bons bourgmestres, mais aussi sur la proposition du secrétaire général Augustin Kabuya Monabouté. Ce journal est complètement terminé sur votre télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.